J'ai envie de vous dire bonjour. Maintenant que tout le monde est là en présence. Et juste voilà, dans ces quelques mots, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est un jour particulier dans ce printemps. Déjà, quelle joie de pouvoir tous se retrouver et de se voir à visage découvert. De pouvoir se voir encore différemment. On a dû cacher nos sourires. Heureusement, voilà, même si le temps n'a pas été toujours facile dans ces espaces-temps qu'on a traversés tous en même temps. Et en même temps, ça va être tout le sujet voilà, du passeur. Et de voir dans ses spécificités, en fait, quel est le lien par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Un passeur d'âme, alors c'est vrai qu'habituellement, quand on entend parler d'un passeur d'âme, on peut penser tout de suite aux idées des familles d'âmes, qui va venir caractériser, en fait, ce que c'est qu'un passeur d'âme. Alors, des familles d'âmes, aujourd'hui, voilà, c'est assez connu, c'est au nombre de 12, 13 familles, il y a les chamans, les enseignants, etc., etc. Et vous voyez que tout de suite, au niveau du mental, on a envie de poser des étiquettes. Ce qui est tout à fait légitime pour pouvoir comprendre un concept, et en même temps, tout ce que ça présuppose derrière, c'est-à-dire que, tout de suite, la question, c'est, bon, déjà, bon, passeur, je veux bien voir ce que c'est que ce truc, peut-être que c'est moi, et moi. Et moi, c'est l'ego, et l'ego, c'est très bien, mais en même temps, c'est tout le danger, voilà, de s'enfermer dans une identification. Donc, le but ici, et ce que j'ai essayé de traduire à travers le livre, c'est au-delà de la définition, c'est toujours de regarder ça comme plutôt des informations qui peuvent vous parvenir, qui vous permettent de sentir intérieurement et surtout d'avoir de la compréhension de certains comportements peut-être que vous pouvez avoir. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé de traduire voilà, des spécificités, des comportements, mais sans rien enfermant. Et de comprendre aussi qu'un passeur d'âme, donc qui traditionnellement est compris comme une personne donc qui fait passer de vie à trépas, donc qui aide les âmes qui peuvent être en souffrance ou en tout cas qui restent encore assez proches du plan physique et qui sont souvent dans l'astral, bas astral, voilà, moyen astral, c'est loin d'être que ça, un passeur d'âme. Et puis vous comprenez bien que être passeur d'âme, du coup, c'est pas un métier. Quelque part, en termes d'abondance, déjà, si on traite avec les défunts, c'est pas très rémunérateur. Voilà, à part avoir des informations, s'il y en a un qui est sympa et qui connaît où il y a un trésor. Mais autrement, voilà. Et un métier, entendez bien ce que ça veut dire. Un métier, ça veut dire métière. Métier. Et métière, ça veut dire quoi? C'est dans le travail, dans mon travail d'évolution, c'est comment j'harmonie ces trois tiers, puisqu'il y a tiers. Corps, âme, esprit. Et un passeur d'âme, en fait, c'est quelqu'un qui a cette capacité, en fait, à voir les personnes dans leur entièreté. Donc, en tant qu'âme. Et pas forcément l'être qui est là avec sa personnalité de surface, et qui est tout à fait légitime, puisqu'on prend un certain nombre de caractéristiques, pour pouvoir faire notre travail, voilà, ici-bas, notre travail d'incarnation, et ce sur quoi on est venu travailler, et comment on va pouvoir aller plus loin dans nos inaccomplis à accomplir. Donc, ce qu'on fait depuis des siècles, c'est-à-dire en se réincarnant. Donc, hier, il y a eu une magnifique conférence sur les réincarnations. Et tout ça est de comprendre qu'effectivement, on a une évolution d'âme et que ce n'est pas parce que voilà, on quitte le corps physique que cette évolution s'arrête. Et qu'effectivement, alors là, on peut aller rentrer encore dans le champ de la physique quantique. Est-ce qu'il n'y a que les vies passées? Évidemment, simultanément, il y a tous les temps. Donc, présent et futur. Mais c'est de comprendre qu'il y a un point commun et il y a cette âme. Et dans le lien, voilà, une âme, en fait, qui simultanément fait des expériences sur tous les domaines, dans plusieurs espaces-temps, et qu'il y a un point d'assemblage. Et c'est ce qu'on peut appeler l'âme. Et souvent, quand on me demande c'est quoi cette définition de l'âme, alors, ce n'est que ma définition, mais c'est comme ça souvent que je l'entends, une âme, A-M-E, c'est simplement, en fait, dans son ensemble, c'est l'amour manifesté dans tout l'être. C'est-à-dire qu'une fois que cette âme a vraiment pu ressentir cet amour, j'allais dire, d'absolu, et cette non-séparation, c'est ce sentiment d'unité. Et on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est très à la mode, de retrouver cette union intérieure, de retrouver sa souveraineté d'être, etc.
motivée par l'ego, et bien heureusement. Mais en tout cas, voilà, quand je suis là et que j'affirme, je veux retrouver ma souveraineté d'être. Maintenant, j'affirme ce que je suis, etc., etc. C'est encore l'ego qui veut. Et en même temps, qui est magique parce qu'il veut. Et l'âme, elle va juste prendre ce mot-là et de le transformer en « je veux », V-O-E-U-X. C'est-à-dire dans le souhait, dans cette aspiration d'âme, dans cette volonté de grandir, dans cette volonté, voilà, de pouvoir expérimenter, parce que et des, tous les bons passeurs d'âme, surtout ceux qui accompagnent en fin de vie, vous le diront, qu'est-ce qui importe dans une vie ? Ben finalement, la vraie question qui se pose, c'est comment j'ai aimé et comment j'ai été aimé. Il y a rien d'autre que ça, on part avec rien d'autre. Mais juste comment j'ai été profondément vivant à chaque seconde. Comment je me suis sentie, voilà, dans cette vivance. Et c'est vrai que tout, en permanence, ben, nous amène dans l'ego, j'allais dire dans le triangle inférieur, où on est tout le temps en survie. Et là, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était ça. Et ce virus, je mets entre guillemets, magnifique, est arrivé, est juste venu dire, en termes d'humanité, on est malade. Il y a quelque chose là. Et on a été confrontés à quoi tous ensemble ? Ben, à la mort. L'âme, hors du corps. On n'est plus là. On est en train d'être dans, voilà, dans des espaces-temps où on est comme les hamsters, hein, dans la petite roue, on consomme, voilà, mu par des désirs, voilà, où on, de façon commune, on nous laisse dans ce triangle inférieur, hein, à nous faire croire qu'on a des besoins sans cesse. Et ce temps, cet arrêt sur image qui a été fantastique, nous a permis vraiment de faire quoi ? De faire un retour sur soi, de venir, d'avoir la possibilité de se reconnecter en fait à nos envies d'âme, avec tout ce que ça a présupposé aussi et toute la difficulté, parce que ça nous a obligés à revenir à une certaine solitude et surtout à être en face de nous-mêmes, de se regarder à l'intérieur et donc de se confronter à notre puits, à nos manques aussi, ce qui était assez inconfortable, mais en même temps, vous voyez bien autour de vous, il y a plein de choses qui explosent. Tous ces chevauchements de temps, ça amène quoi ? Pour beaucoup, il y en a beaucoup qui découvrent leurs capacités subtiles, beaucoup qui se disent « mais c'est pas possible, je suis en plein de trucs, etc. Et, » et voilà, et qui s'ouvrent tout d'un coup à tous ces espaces d'invisibles, mais qui a toujours été là, en fait. Ça, c'est pas plus qu'avant. C'est juste que les vibrations étant plus hautes, et ben, la plupart des personnes, maintenant, commencent à capter. Et c'est simplement, vous le savez, hein, les capacités subtiles ne sont que le prolongement de nos sens physiques. Et donc tout ça a commencé à faire en sorte qu'on a pu commencer, beaucoup, une majorité commence à voir qu'il y a d'autres perceptions, il y a d'autres possibilités. En soi, pas de grand changement finalement, mais quelque part, ça a permis de faire un lien et de pouvoir commencer à percevoir les autres peut-être de façon différente et commencer à percevoir que l'autre n'est pas si différent. Et surtout, ça a permis quoi ? Ce retour sur image a permis de commencer à se poser les vraies questions que beaucoup d'entre vous vous posez depuis bien longtemps. Mais c'est quoi le sens ? Pourquoi on fait tout ça ? Et surtout, aujourd'hui, à quoi je consacre mon énergie ? Donc on parle, vous voyez bien que les sujets actuels, c'est beaucoup la reconversion. Reconversion, mais non, on ne va pas répéter quelque chose. C'est comment effectivement je converse avec moi-même et comment véritablement j'ose être ce que je suis et créer ce que j'aime. Et comment je renoue intérieurement avec mon pouvoir créateur, ce qui fait peur. Parce que si j'accepte véritablement d'avoir un pouvoir créateur, ça veut dire que j'accepte aussi ma responsabilité d'être. Et donc, qui dit responsabilité, ça veut dire assumer ses choix, ses décisions et ses actes. Ce qu'on nous demande en permanence. Sauf que tout a été fait pour nous maintenir aussi dans le fait de remettre son pouvoir souvent à l'extérieur. Donc, on nous dit comment on fait, etc. Et puis, quelque part, ce n'est pas forcément évident d'assumer ses choix. Et souvent, quand on entend responsabilité, on entend une charge derrière, quelque chose qui est lourd, ou de la culpabilité. Il faut. Non, c'est simplement, OK, je prends cette décision-là, j'essaye, je vois ce que ça donne. Ça marche pas, est-ce que c'est grave ? Non, mais voilà, aucun remords. Je reviens pas à quelque chose ou aucun regret. Et donc, c'est juste s'autoriser. Et c'est tout ce passage qu'on a vécu tous ensemble, c'est ça. C'est s'autoriser véritablement maintenant à sentir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur
oser agir, et agir, je l'espère, de façon collective, avec tous les élans de solidarité qu'il y a eu pendant cette crise, même si on est vite revenu à plein d'habitudes de consommation. Néanmoins, il y a plein de choses qui se sont passées. Vous voyez bien, aujourd'hui, il y a beaucoup, même au niveau des entrepreneurs, beaucoup de choses qui se font pour, bien sûr, l'écologie, tous les écolieux qui sont en train de se monter, toutes ces envies, voilà, de partage ensemble, de travailler différemment et de s'extraire, en fait, de tous ces diktats qu'on nous a imposés jusqu'à présent. Et donc, c'est véritablement accepter de sortir de ça. Et j'en viens donc au sujet des passeurs d'âmes, parce que c'est quoi le lien ? Il est là. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au début, souvent, on a eu l'habitude, hein, très très souvent, de qualifier les passeurs d'âmes comme des personnes donc qui font passer de l'autre côté. Et là, la confrontation à la mort, eh bien, révèle une des fonctions du passeur d'âme, qui est de permettre, en fait, aux personnes de passer des caps, des changements, c'est-à-dire des petites morts. Souvent des petites morts de l'ego, mais c'est tous les passages de cap dans une vie. Donc un passeur ne s'occupe pas uniquement des personnes défuntes, mais aussi beaucoup du vivant. Et c'est pas oublier ça. Et les passeurs, vous en côtoyez tous. Et généralement, j'allais dire, dans leur marque de fabrique, ce sont souvent des personnes qui sont assez discrètes, des personnes très très pragmatiques. Alors on va voir, je vais détailler un petit peu plus. Mais souvent qui sont là à des moments charnières, en tout cas qui sont là, qui vous accompagnent dans votre vie, qui vont juste avoir le petit mot, qui vont toujours faire en sorte de pouvoir peut-être vous permettre de faire le lien, d'avoir une ouverture, de découvrir un nouveau sujet, de vous mettre en contact avec une personne. En fait, un passeur, c'est moi je le qualifierais comme ça, c'est une personne en fait de réseau. Bien avant Internet, il y avait les passeurs, c'est-à-dire comment je mets en réseau les uns et les autres, que ça soit pour des personnes, mais aussi pour des projets, pour des idées. Et en fait, ils favorisent, j'allais dire, comme dans le cerveau, hein, avec les connexions neuronales, ils favorisent en fait le fait d'accélérer le mouvement et de faire en sorte que, dans un espace-temps, ils créent des champs d'harmonie pour qu'il y ait les bonnes rencontres au bon moment. Et eux, ils sont juste là, gardiens de cet espace pour vous faire vivre ce que vous avez à vivre, sans essayer de vous donner des conseils, de se mettre à votre place, mais juste en retrait, mais en tout cas de garantir que vous puissiez vous connecter à vous-même et sentir ce qu'il y a de plus juste. Voilà, sans prétention, sans besoin de dire « oui, c'est grâce à moi hein, ». Ça serait bien sûr l'ego. Donc les passeurs d'âme, on les retrouve de plus en plus. Vous voyez qu'il y a un engouement exceptionnel, et tant mieux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans leur reconversion qui veulent devenir thérapeute, coach. On sait les deux, hein. Coach, thérapeute. Alors c'est marrant parce que dans la fonction psychologique, on voit bien dans le côté thérapeute, il y a le côté prendre soin, il y a le côté permettre à l'autre de pouvoir travailler sur ses propres blessures, etc. Sur la fonction psychologique, ça rejoint le côté mère. Comment je prends soin de moi? Comment je suis dans la bienveillance? Comment je cultive la compassion? Et donc, permettre tout ce travail-là. Le côté coach, on est plus dans le côté père, c'est comment j'accompagne, comment je peux remotiver ma confiance, comment je peux me poser dans ma sécurité et comment j'ose avancer et faire les choses pas à pas, hein, c'est le papa. Donc, quelque part, cet engouement qu'on retrouve, c'est aussi parce que les personnes en elles-mêmes sont en train de faire ce cheminement intérieur, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à chaque fois qu'on fait un métier, on ne le fait pas par hasard, on le fait parce qu'on en a besoin. Et je peux vous en parler en connaissance de cause. J'ai exercé ces différents métiers parce que j'avais profondément ce besoin de faire ce travail-là à l'intérieur. Et aujourd'hui, dans la façon de définir un passeur, on pourrait dire que le passeur, c'est un peu la synthèse des deux. C'est-à-dire au niveau des polarités, c'est autant dans ce masculin et le père, et le féminin et la mère, c'est ce mélange des deux, c'est-à-dire, et c'est ce que je décris un petit peu dans le livre, en fait un passeur c'est un facilitateur, c'est le terme qu'on emploie en entreprise. Un facilitateur des possibles, un facilitateur de champs, un facilitateur de projets, et un facilitateur c'est quoi? C'est quelqu'un qui garantit en fait un process et un processus pour permettre aux personnes ou à un groupe de trouver ses propres solutions et de reconnecter sa propre créativité et donc son pouvoir créateur. Donc c'est exactement ça. Et pourtant, le cheminement, il n'est pas si simple, hein, il faut un petit peu de temps. Et donc c'est juste de bien comprendre qu'un passeur, il est là pour pouvoir faire ses liens,
Moi, j'appelle ça en fait des émetteurs d'énergie, des champs, des émetteurs de champs d'énergie. Donc, les passeurs, il y en a partout. Souvent, on les retrouve effectivement dans des métiers plus spécifiques. Donc, évidemment, en accompagnement de fin de vie, hein, on retrouve plein de personnes formidables qui font tout ce travail-là. Mais c'est aussi à l'accueil des âmes qui arrivent. Donc, tout ce qui va concerner la naissance, voilà, de ces êtres, voilà, qui reviennent faire un petit tour en se disant, bon, alors, quoi de neuf? Voilà. Sachant que de l'autre côté, le passeur, lui, il va avoir plein d'états, hein, intérieurs au fur et à mesure de son cheminement. On le verra, hein, c'est une de ses grandes blessures. Il a une nostalgie de l'ailleurs qui est exceptionnelle. Je vais y revenir. Mais juste pour expliquer les différents passages de cap et ce sur quoi le passeur travaille. Donc, tous les passages de cap, ça va être l'adolescence, ça va être aussi quand je deviens jeune adulte, et puis bien sûr tous ces passages de la vie, hein, où quand on est adulte, quand on mature, les deuils, les ruptures, les non-sens, toutes les différentes crises, hein, à 30 ans, ras-le-bol, maintenant je sais ce que je veux plus, hein, donc je vais bosser. Et puis on arrive souvent à cette fameuse crise de la quarantaine. Alors c'est pas à 40, hein, ça peut être bien avant, hein. Moi je connais plein de jeunes personnes qui font déjà leur crise de la quarantaine à 18 ans. Donc il n'y a pas de souci et tout s'accélère. Tout s'accélère extrêmement vite. Mais c'est aussi, et voilà, dans le cheminement de l'âme, on va dire de façon habituel, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord toute la constitution de l'ego, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre d'avoir cette personnalité de surface et pour nous permettre de comprendre en fait qu'est-ce qu'on est venu travailler. Donc c'est à peu près jusqu'à la trentaine, hein, où tous nos différents corps vont commencer à se constituer. Le corps mental termine de se constituer vers 21 ans à peu près, et puis après il va y avoir toute l'expérimentation, 21-28 ans. On arrive à 30 où on se dit bon, globalement ça je veux plus. Donc on va tout faire pour se différencier véritablement. Et il y a eu toute la période avant pour s'individualiser. Et puis à partir de là, et ben, tout doucement, on commence. On sait ce qu'on veut plus, mais il serait temps de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est pas si simple. Donc on regarde tout le temps à droite, à gauche, et comment je me définis par l'extérieur. Jusqu'à arriver à cette fameuse mission de vie. Mais quelle est ma mission de vie? Et là, la réponse est terrible. Il n'y en a pas. Il y en a une, il y en a 15. En fait, la mission de vie, c'est mission de vie, c'est vivre. C'est juste être. Et j'aime bien prendre cet exemple, vous savez, de ce fabuleux dessin animé, voilà, qui s'appelle Soul. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où on voit, voilà, tout ce cheminement qui explique très très bien, hein, le cheminement de l'âme, où toutes ces petites âmes qui vont faire un tour pour savoir quelle mission de vie, les talents, etc. Et hop, ils redescendent, et puis hop, c'est comment ils vont se connecter à ça. Et il y en a une qui est réfractaire, qui veut pas. Non, je descendrai pas, non, ça m'intéresse pas, tout essayer. Et en fait, ça nous montre déjà l'étape d'après, c'est-à-dire pas besoin, ça c'est pour l'ego, hein, de se dire, pour se reconnaître, pour prendre confiance, etc. Il y a un moment, voilà, c'est juste descendre, et ce qu'elle aime, cette âme, c'est juste être. Elle va goûter un bout de pizza, de la pizza. Alors pizza, c'est bon, quand même. Bon, je parle pas du gluten et tout ça, mais juste le goût, et revenir par la saveur, par le goûter, et elle s'émerveille de la lumière, elle s'émerveille, voilà, des arbres, des feuilles, de la luminosité. C'est juste ça, c'est juste se rappeler qu'on est profondément vivant, et avec cette vivance, on fait quoi? Et on en revient, et ça, ça va être tout le sujet. On veut savoir. Et cette quête de vérité, elle est légitime puisque l'âme aspire à quelque chose. Et heureusement que notre ego est là pour nous motiver. C'est trop génial. Et ça, je veux comprendre. Et je veux comprendre, voilà, tout, avoir cette connaissance. Mais comme je le dis souvent, vouloir savoir, c'est complètement légitime. Et ça fait partie du chemin. Voilà, mais vouloir savoir, c'est humain. Savoir aimer, ça, c'est divin. Et tout notre travail, ça va être d'apprendre comment je peux mettre ce M au cœur de ma vie. C'est-à-dire un M, j'aime, et comment je deviens mon propre maître. J'aime, aime, être. Devenir cet être, ça présuppose d'avoir fait tout le chemin et que j'ai accepté de devenir ma propre mère et mon propre père. Pour en arriver à switcher, hein, au niveau de la résonance et des mots, du M de moment au P de présent. Donc je passe de la matrice, maman et papa, à moment présent.
Alors c'est bien beau, hein, toutes les traditions initiatiques, beaucoup, hein, nous amènent là-dessus. Vive le moment présent, je suis super contente, hein, ouais, j'ai ma tasse de thé, oui, je bois mon thé, oui, je suis contente, je suis dans le moment présent. Super. Globalement, ça veut dire quoi ? Oui, mais là, ça va. Et en fait, c'est juste la question de juste revenir ici et maintenant. Et globalement, oui, je peux avoir plein de problèmes. Mais vous voyez bien, tout le sujet au niveau de notre évolution intérieure, et les passeurs, ils sont super doués pour ça, hein, pour se poser 50 millions de questions métaphysiques, c'est de vraiment voilà, revenir dans cet instant. Et un passeur, il est dans tous les temps. Donc le moment présent, eh ben, c'est ce qui va lui permettre d'être pleinement en ancrage dans ce qui se passe ici et maintenant. Mais il peut être dans plein d'espace-temps simultanément. C'est-à-dire qu'il peut très bien être en train de vous parler et en même temps être en train de faire autre chose sur un autre plan, sur une autre planète, voilà, discuter avec d'autres âmes en même temps. Et tout son travail et tout l'enjeu d'aujourd'hui, justement pour les passeurs, c'est qu'au niveau collectif, on est tous en train de faire un énorme passage au niveau de l'humanité. Humanité, c'est-à-dire ce fameux H, et une des problématiques du passeur, hein, c'est comment je suis à la hauteur. Alors pour beaucoup, hein, beaucoup d'êtres incarnés, peu importe, mais c'est passer de cette lettre H et vraiment devenir ce H de humanité. Et donc de passer dans quoi ? Dans le H de harmonie. Comment on vit tous ensemble dans cette harmonie ? Comment on peut aller chercher toutes nos valeurs humaines ? Compassion, bienveillance, coopération, altérité. Donc ça présuppose tout un cheminement intérieur. Et le rôle des passeurs aujourd'hui, c'est ça, c'est que pendant de très longues périodes, très très souvent, ils ont été souvent en arrière-plan, souvent derrière de plein de grands chercheurs, de plein de grandes personnes éminemment historiques, etc., juste pour permettre que cette écoute puisse se faire dans ce que les gens avaient à transmettre, ou ces personnes-là avaient à transmettre. Aujourd'hui, comme tous les autres et comme toutes les autres familles, un passeur doit faire sa mise à jour. C'est-à-dire que lui aussi, à force de tenir des champs vibratoires pour permettre aux gens de faire leur évolution, hein, dans l'accompagnement, que ça soit dans la guérison, dans le fait de mettre dans la matière des projets, de les motiver, de leur donner envie, hein, et ça, c'est le maître mot d'un passeur, c'est comment je donne envie. Et envie, vous entendez bien ce que ça veut dire, l'envie. Être en vie, c'est-à-dire on sort définitivement de cette survie. Et là, tout ce qu'on a vécu ensemble, ben, voilà, confronté à la mort, comment on vit maintenant ? Comment on vit vraiment ? En fonction de ce à quoi j'aspire. Et le passeur, ben, comme tous les autres, là, il est dans sa mise à jour en se disant, bon, ben, c'est bien beau, je fais passer tout le monde. Et moi ? Et petit moi ? Et caractéristique des passeurs, eh bien, lui, par rapport à toutes les autres familles d'âmes, qui sentent hein, généralement qu'ils ont plus ou moins une mission, alors que ça soit dans la guérison, s'ils sont plus chamans, guérisseurs, plus à transmettre des enseignements voilà, pour les enseignants, etc. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur chaque famille d'âmes, hein, je me concentre sur le passeur. Et ben, les passeurs, eux, ils sont là, ils disent « Mais moi, je fais quoi ?» Parce que moi, je n'ai pas de spécificité, en fait. Je me sens un peu de tout. Et ça, c'est la marque de fabrique du passeur. C'est-à-dire que tout au long de ses incarnations, lui, son rôle, c'est de mettre et c'est de relier les êtres humains ensemble. Donc pour ce faire, une de ses capacités, c'est de pouvoir bien comprendre comment chacun fonctionne. Chaque famille, de comprendre en fait la vibration et le rayon de chacune de ces familles et comment je les mets en lien. Donc pour ça, bah, au fil de ses incarnations, il fait des stages. Et il fait des stages dans toutes les familles. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il s'incarne, il est là et dit « Mais c'est bizarre, moi je sais pas. » Et en fait, plus que tous les autres, les passeurs ont un vrai problème d'identité. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu chamanes, mais ils se sentent un peu guérisseurs, mais en même temps, ils aimeraient bien transmettre des trucs. Et en même temps, ils se sentent quand même bien créateurs, ils adorent créer plein de trucs. Ils sont un peu tout et n'importe quoi. Mon Dieu, c'est difficile. Et pour un passeur, la question horrible qu'on peut lui poser, c'est « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» Plein de trucs. Mais rien de précis, en fait. Et la difficulté pour un passeur, plus que tous les autres, ça va être tout ce passage qu'il va avoir d'individuation. C'est-à-dire comment j'ose véritablement, moi, poser mon un à l'intérieur. Comment j'ose affirmer ce que je suis, c'est-à-dire pas passer pour un dingue. Bah ouais, moi, je capte des trucs. Bah oui, là, il y a... je peux aller dans une église, il se passe... voilà, il y a ça, il y a... Voilà, juste me connecter. Me connecter à l'énergie du lieu et de voir tout à fait ce qui se passe. Bah tiens, ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors, je vous donne des exemples tout bêtes.
Bon, il m'a fallu du temps hein, avant de comprendre voilà ce qu'était un passeur, puisque je croyais qu'un passeur, c'était juste les personnes qui faisaient passer de l'autre côté. Ça m'est arrivé évidemment tout au long, enfin voilà, dans mon enfance évidemment que j'étais en contact avec des âmes défuntes, des trucs pas toujours très rigolos, mais j'ai vite mis ça de côté parce que justement j'avais ce besoin de structure et surtout j'avais besoin d'être en sécurité. Donc j'ai coupé toutes mes capacités subtiles d'une certaine façon pour pouvoir passer par la connaissance et la voie de la connaissance pour me rassurer, pour me dire mais je suis pas folle, etc. Donc avec tous les doutes que j'avais, mais j'ai toujours su qu'il y avait autre chose. J'ai toujours su qu'il y avait l'invisible. Mais j'avais besoin d'avoir une approche qui était pragmatique, scientifique, voilà, pour donc de me renseigner au fur et à mesure et de me dire à chaque fois et d'être dans ce doute continuel. Non, mais ça c'est you, les pauvres ils sont perchés. Oui, je capte des trucs, mais quand même. Et pourtant, c'était là. Et au fur et à mesure, dans l'avancement. C'est de comprendre qu'un passeur, eh bien, dans ses capacités, ce qui est souvent inné, c'est-à-dire dès l'enfance, c'est présent. C'est-à-dire que les capacités subtiles sont déjà développées. Alors certains appellent ça des dons. Il n'y a pas plus de dons pour les uns que pour les autres. On a tous des capacités subtiles. On a tous des capacités de clairvoyance, clairsentience, clairaudience. C'est juste de remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que si tous, en tant qu'être humain, on a ces capacités-là, c'est juste. Parce que c'est à notre propre service pour notre propre évolution et pour pouvoir capter en fait notre sagesse intérieure. Donc c'est au service en fait de cette écoute et de cette sagesse intérieure. C'est pas pour manifester des pouvoirs. Et bien sûr, et vous en doutez bien, ça peut être très très vite addictif quand on commence à capter d'avoir plein d'informations. Avec tout ce que ça va présupposer aussi pour l'ego. Et j'ai essayé d'en parler un petit peu dans le livre aussi, de là où ça nous amène, parce que quand on découvre tout ça, évidemment, on est avide de toutes ces connaissances, mais en même temps, ça fait du bien. On se dit, bon, déjà, je suis pas dingue. Et puis, vous voyez, hein, y a quand même beaucoup de fous, là, dans la salle. On n'est pas tout seul. Et en même temps, tout le risque que ça amène de se laisser à nouveau enfermer, de se laisser définir par ça. Et souvent, bah là, c'est le deuxième pas sur l'ego spirituel, hein, où on en arrive, où ça y est, j'ai engrangé pas mal de connaissances, j'ai un petit peu plus confiance dans mes capacités, hein, donc je vois effectivement. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai fait énormément d'erreurs quand j'ai accompagné, hein, j'ai été thérapeute pendant de longues années, et les gens venaient beaucoup me voir parce que j'avais cette facilité en fait à aller dans le corps causal, donc avoir les mémoires et donc toutes les incarnations. Toujours au service de la thérapie, c'est-à-dire qu'on va, on va pas investiguer dans des vies antérieures ou futures, juste pour le plaisir, pour dire, voilà, Pascal en parlait très très bien hier, si vous saviez le nombre de Napoléon, de Marie-Madeleine, de Christ et tout ça qu'on croise à tous les coins de rue, techniquement, quand on connaît un petit peu les sagesses ancestrales, hein, et quand on a posé un peu la connaissance, évidemment, c'est pas possible, d'une certaine façon. C'est juste un petit côté égotique qui a besoin d'eux. Et puis, généralement, je vous assure que quand on va investiguer dans les vies passées, c'est pas toujours super drôle, hein, ce qu'on trouve, hein. Voilà, on n'est pas que roi-reine. On a été violeur, on a fait plein de trucs. Voilà, aujourd'hui, qui sont pas si simples. Et toute la délicatesse, voilà, d'un thérapeute, ça va être justement de pouvoir accompagner pour pas ramener de la culpabilité en plus de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, on fait pas les choses n'importe comment. Néanmoins, voilà, à cette époque, il y a beaucoup de personnes, parce que j'avais ces capacités-là, qui venaient me voir. Et c'est vrai que, ça défilait comme un livre ouvert. Donc, pour voir par rapport aux problématiques. Et c'est là que ça m'a permis de comprendre que c'était pas tout à fait juste, parce que toutes les informations qui me parvenaient, je débitais, et je donnais tellement d'informations qu'en fait, je n'étais même pas avec l'autre. C'est-à-dire que je lui transmettais tout ça d'un coup, et en fait, il n'y avait pas la capacité d'intégration derrière. Et ça m'arrivait tellement de fois, même 10 ans après, des gens qui me disent « Ah bah ça y est, j'ai compris !» ou « Oui, bah c'est arrivé le truc !» Ah ok. Et en fait, c'est juste voilà, de comprendre que sous couvert de vouloir donner, en fait, on n'est même pas en respect de l'autre. De là où il en est maintenant, de ce qu'il peut entendre. Voilà, et c'est juste de revenir dans l'humilité. Et parfois, quand on est dans ses capacités et l'assurance qu'on a en disant « Bah oui, là, il se passe ça, là, c'est le coronal qui va. Là, dans telle énergie, tu as ça. » Et c'est complètement oublié que l'autre peut peut-être faire son expérience par lui-même, sentir par lui-même. Et c'est justement faire attention de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre. Voilà, par rapport à ça. Et donc, dans la façon de fonctionner, un passeur...
dans ses spécificités, il va être là justement pour permettre à chacun, que ça soit une organisation ou une personne individuelle, de pouvoir ramener la personne sur sa propre vérité. Pas faire à sa place, mais juste voilà, créer des bulles d'ouverture de « Ok, il y a peut-être ça et tu peux peut-être aller là ». Et c'est ça qui est complètement dingue chez un passeur, c'est que dans toute sa journée, outre toutes les synchronicités hein, qui sont de plus en plus rapides aujourd'hui, hein, vous voyez bien qu'il vous suffit de penser à un truc, quelqu'un, hop, qui vous appelle directement. Eh bien, pour un passeur, sa vie, dans sa façon d'être, c'est tout ce qui se passe pour lui et tout ce qui se passe pour l'autre, sachant que les deux ne sont pas tout à fait différents. Mais très souvent, tout d'un coup, voilà, il y a un truc qui va vous intéresser. Vous allez lire, vous dire, mais oui, bon, ce sujet m'intéresse pas plus que ça, mais c'est juste, par exemple, le livre. Vous allez croiser une personne 10 minutes après, c'est exactement le livre qu'il lui fallait. Et vous allez juste faire, voilà, tirer ce fil pour pouvoir juste lui donner, et vous avez fait, en fait, votre travail. Donc, c'est pas toujours évident pour un passeur de savoir qu'est-ce qui est pour lui et qu'est-ce qui est pour l'autre. Et tout son travail, qui est pas forcément si facile, c'est de pouvoir accepter, pardon, c'est de pouvoir accepter à un moment donné de se regarder, j'allais dire, de regarder Bibi. C'est bien beau de s'occuper des autres, mais il y a un moment, ça va être important aussi de se faire faire son propre passage. Et donc, si on est capable de faire faire plein de passages aux autres, ça veut dire qu'on est capable aussi de se faire faire ce passage. Et c'est une des grosses blessures du passeur, outre la nostalgie de l'ailleurs, c'est d'accepter de recevoir. Recevoir. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper de tous les autres, hein, parce qu'on a bon cœur, parce que, et donc c'est tout au niveau égotique, hein, c'est tout le syndrome du sauveur, dans toute sa puissance, hein, je veux aider, etc. Oui, bien sûr, il y a de la bienveillance. Mais en même temps, est-ce qu'on permet à l'autre de prendre véritablement sa responsabilité? Hein, on sait bien qu'aujourd'hui, on guérit personne. C'est la personne, si elle est OK, elle se guérit. On peut voilà proposer des choses, mais c'est la personne qui décide, quoi qu'il se passe. Et donc, c'est d'accepter, voilà, de recevoir et d'apprendre à demander de l'aide. D'apprendre à retrouver sa vulnérabilité. Et de se dire, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et comment je peux partager? Et comment, moi aussi, je peux rayonner? Et donc, le changement de paradigme qu'il y a aujourd'hui, quand je vous dis qu'il y a une mise à jour, il y a un changement collectif extrêmement profond. Et là, le but, c'est de permettre au maximum de personnes de passer, hein, de passer ce changement vibratoire, donc dans la 5D, pour pouvoir se délester de tout ce qui n'est plus nécessaire, de tous ces vieux masques qu'on a portés jusqu'à présent, et d'accepter véritablement de sortir de quoi? De la dualité. Et ça, le passeur peut le faire quand il a accepté intérieurement de se regarder aussi intérieurement. Et de pas considérer l'autre comme un devoir de faire, mais aussi d'accepter de l'autre et accepter aussi de pas savoir où il va, et comment faire. Et de pas avoir toutes les réponses. Donc ça demande beaucoup d'humilité. Et en même temps, c'est quand on lâche, comme ça, dans ce âge d'humilité, qu'on peut véritablement commencer à être à sa propre hauteur. Et donc de devenir son auteur, c'est-à-dire on enlève le H et de devenir un vrai réalisateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous retrouvez énormément de passeurs qui travaillent beaucoup dans la transmission. Hein, je vous le disais tout à l'heure, c'est un transmetteur. Transmettre, il ne va pas transformer, hein, il sait simplement permettre à chacun d'être son propre maître. Donc de travailler son discernement, de travailler l'autonomie et de travailler l'accueil, ni plus ni moins. Mais sans s'oublier. Donc aujourd'hui, par exemple, cette organisation de l'étrange rendez-vous, il y a plein de personnes qui ont répondu à l'appel. Et le but, c'est comment on peut transmettre toutes ces informations-là, comment ça peut être donné, tant qu'à faire entendu, mais de montrer qu'il y a plein de possibilités différentes, chacun avec son prisme, chacun avec ses connaissances, avec des traditions souvent différentes, que ce soit duel, non-duel, qu'on se concentre plus sur des espaces au niveau vibratoire. Donc certains sont très branchés, plus sur le corps causal et tout ce qui se passe, d'autres sur la communication au niveau, plus d'un haut astral avec des fraternités, plus dans le côté de la communication au niveau stellaire, etc. Tout ça a toujours été là en fait. Mais chacun apporte
son éclairage, sa graine, pour permettre à chacun d'entre nous, en fait, de rentrer dans un bout de la connaissance pour pouvoir s'expanser et, en fait, chercher tout ce qu'on cherche, c'est-à-dire cette unité et de voir que tout est relié, que rien n'est séparé. Et donc, c'est ça qui est merveilleux aussi quand on rentre dans cette quête-là, c'est-à-dire qu'on commence par un bout de connaissance, et puis après, il y a ça, et puis après, il y a ça. Et c'est sans fin, quelque part. Mais tout est dans le tout, évidemment. Donc, pour un passeur, en fait, l'objectif, et surtout dans les années qui viennent, c'est vraiment jouer ce rôle-là pour permettre au maximum de personnes de pouvoir trouver, en fait, qu'est-ce qui les fait vibrer, quelles sont leurs véritables envies et qu'est-ce qui leur tient à cœur. Et juste de les accompagner, d'être là, parce qu'ils ont fait le chemin aussi intérieurement, c'est-à-dire sortir aussi des pièges de l'ego et d'avoir accepté quoi ? Eh bien, une des choses primordiales, d'être là. Et dans les difficultés d'un passeur, et souvent dans son enfance, alors je vous le disais, difficulté déjà à savoir qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et donc les spécificités d'un passeur, outre le fait, je vous le disais tout à l'heure, souvent il y a des capacités subtiles qui sont déjà bien développées, clairvoyance, clairaudience, je capte des trucs, je comprends pas, mais je sais. Pour un passeur, c'est super facile d'avoir quelqu'un en face qui est en train de raconter des trucs, mais vraiment super intéressant. Mais dedans, il y a un truc qui fait « putain, je le sens pas ». Il y a un truc. Alors, ça veut pas dire... Alors, souvent, on dit ils ont un regard laser. Ils plongent au cœur de l'âme. Ça sera toujours fait avec une grande bienveillance, bien évidemment, parce qu'on rentre jamais dans le champ d'une personne s'il n'y a pas autorisation de l'autre âme en face. Donc, il y a toujours des principes. Il faut faire très attention dans la façon de fonctionner. Mais dans les spécificités, c'est des capacités subtiles plutôt bien développées, une clairvoyance qui est souvent déjà présente, et ils ont un lien particulier avec l'élément air, donc tout ce qui va être la parole, donc tout ce qui va être le son, et donc les vibrations. Donc très sensibles à la parole, la justesse de la parole, et donc eux, dans leur corps physique et leur corps plus subtil, souvent ça va être les endroits qui vont être un petit peu compliqués, puisque reliés à l'élément air, donc le chakra laryngé, bien évidemment, et l'autre partie qui est parfois un petit peu délicate, c'est le premier chakra, dans le côté chakra racine, c'est-à-dire là où j'accepte de me connecter à mon périnée, où j'accepte véritablement d'être en confiance, dans ma sécurité, et d'accepter d'être là. Parce qu'un passeur, il a une énergie qui est extrêmement fine pour pouvoir partir dans chacun des espaces-temps, pour pouvoir être complètement avec l'autre, pour pouvoir l'accueillir. Donc sa vibration, elle est assez fine, généralement, pour s'effacer. Et en même temps, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir monter en vibration comme ça, il faut un bon ancrage. Et la problématique d'un passeur, plus que les autres, c'est cette difficulté à rester ancré. Parce qu'il a envie de se barrer. Et il a envie de partir ailleurs et c'est tellement bon. Mais c'est tellement bon d'aller méditer, c'est tellement bon d'aller avec des êtres stellaires. C'est vrai, si vous regardez notre humanité, là, quand on se regarde, on se dit, c'est bon, je reviens dans 2 siècles, on n'en est que là, les gars. C'est pas grave. Ah si. Et c'est d'accepter que oui, dans cette vie ordinaire, ça peut être aussi super beau et que en fait, on n'a pas d'autre enseignant et de maître que la vie elle-même. Mais c'est de l'accepter, de rentrer dans cette vie et d'arrêter de faire du vent. Et donc dans les blessures, c'est souvent cette blessure-là va faire qu'un passeur, il a tendance à partir dans d'autres mondes. Ça va être un des travaux qu'il doit faire au niveau de son ego, qui prend du temps, ça va être d'accepter, je vous le disais, d'être là et de lâcher l'idéal. De lâcher l'idéal et l'absolu. Et c'est ça, cette nostalgie de l'ailleurs où tout est harmonieux, tout est beau, où on peut vraiment toucher des expériences qui sont juste fabuleuses. Et puis quand on revient là, on ouvre un œil, on revient de méditation. Puis il y a l'autre là qui est en train de manger son sandwich, l'autre qui a fait du bruit pendant ma méditation, il m'énerve. Et de se dire, ok, j'accueille. C'est ok. Mais pas parce qu'il faut, parce que c'est, et ça c'est la vie, dans la façon dont ça se déploie juste là dans l'instant. Donc une grosse nostalgie de l'ailleurs, une grosse nostalgie de l'idéal, de retrouver Al en toute chose, donc Dieu. Et c'est de comprendre que c'est là, dans la vie de tous les jours, que chaque personne, et c'est bien, ça on le sait, au niveau conceptuel, on l'a lu dans plein de livres, etc. Oui, tout est beau, tout est merveilleux. Oui, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Mais demain, parce que l'ego, il fait quoi? On peut être super centré, etc. Et en 3 secondes, qu'est-ce qui va faire notre mental? Il repart dans le futur, il repart dans le passé, et rarement ici.
qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je vais le faire, etc. Oui, mais et vous voyez ce qu'on est en train de vivre ensemble là dans cet égrégore monstrueux dans lequel on navigue en ce moment. Voilà, on a remplacé une peur par une autre. Et les passeurs, ils sont là aussi pour dire, c'est bon les gars, tout va bien se passer. Ça passe. Et c'est ça un passeur, c'est juste assurer voilà, ce champ d'énergie pour dire, allez, faites les choses tranquillement, centrez-vous. Déjà, c'est chacun, chaque pouce du 1, les petits poussins que nous sommes, hein, des petites pouces du 1. On arrive simplement, chacun pour soi, déjà à se centrer, à prendre soin de soi et à être en paix. Ben, la paix, par essence, elle se développe évidemment après à l'extérieur. Mais tout ce qui se passe là n'est que le reflet en fait, de nos conflits intérieurs. Et pour un passeur, ben, lui aussi, hein, il va être en guerre pendant un grand moment. Je vous le disais, spécificité, ben, cet absolu, cette soif d'idéal. Et donc, c'est un perfectionniste dans l'âme. Qu'est-ce qui nous enquiquine, celui-là ? Perfectionniste, la père-affection, donc là. Le besoin de reconnaissance du père. Et c'est jamais assez bien, c'est jamais assez comme il faut. Oui, mais là, j'aurais pu faire mieux. Donc, qui dit perfectionniste, hein, y a sa copine qui vient avec tout de suite derrière la procrastination. Hein, parce qu'un passeur, ben, il maîtrise le temps. Donc, s'il maîtrise le temps au dernier moment, ça va le faire. Mais alors, sous quelle pression, hein? Alors, quand on est jeune, ça passe bien. Quand on commence à avoir un petit peu d'heures au compteur, ça fatigue de plus en plus. Et on use hein, toutes les ressources du corps vital en faisant ça. Et donc, c'est juste de comprendre, d'arrêter, d'essayer de maîtriser, de contrôler le temps, qui, évidemment, n'est absolument pas linéaire, déjà. Ça, on le sait maintenant. Mais c'est d'arrêter d'être à contre-rôle et de vouloir être dans cette maîtrise du temps. Le temps, c'est quoi, au niveau de la sagesse initiatique? C'est l'ordre, c'est la loi. Et donc, de switcher de « Ok, comment je respecte la loi? Qu'est-ce qui est là ?» Et une des lois simples de qui nous est proposée dans chaque instant, c'est là, qu'est-ce que la vie me propose, au lieu d'essayer de contrôler, de vouloir faire. Qu'est-ce qu'il y a là? Et là, dans l'instant, ok, bah, je rentre dedans. Et c'est comment je vais apprendre à être tout le temps dans ce flot, en permanence. Dans l'instant. Ça n'empêche pas voilà, d'être posé dans ses compétences, de ce que je sais faire, etc. Mais ça a arrêté de faire des plans sur la comète. De comment, quoi. Et vous l'avez vu, vous l'expérimentez là, et ça s'accélère. Vous pensez à un truc, hop, il y a tout qui se met en place. Et vous sentez bien qu'on sait juste quand ça le fait ou quand ça le fait pas. Et tout l'objectif, voilà, c'est d'apprendre intérieurement à faire cette écoute intérieure. Et les capacités nous permettent ça, et tout le travail sur l'intuition nous permet ça, d'écouter sa sagesse intérieure. Donc, un, le gros perfectionniste de base, donc il ne sait jamais rien et il ne sera jamais comme il faut. Donc, un passeur, c'est un champion du monde de l'adaptabilité, c'est-à-dire c'est un caméléon. Hein, c'est-à-dire, vous ne voyez pas, vous lui demandez ça, il fait ça, toujours là pour vous servir, etc. Pas de souci. Corvéable à souhait, hein, parce que alors là, s'il engage sa parole, et pour lui, hein, dans les valeurs humaines, c'est très très important l'engagement, pour les autres, il est capable de tout faire. Mais alors dès qu'il s'agit de lui, il n'y a plus personne. Et il va se faire la petite histoire commune, c'est-à-dire enfin il a du temps pour lui, il a accepté de prendre du temps pour lui, et ben il va passer tellement de temps à savoir comment il va pouvoir utiliser ce temps, parce qu'avec tout ce qu'il aimerait faire, et tout ce qu'il a décidé, que le temps qu'il définisse de comment il va faire quoi aujourd'hui, c'est déjà là, ce soir. Et ils se disent, bah, j'avais dit, hein, j'ai jamais le temps. Et donc, il va tout faire, en fait, pour essayer d'éviter, en fait, d'être confronté, lui, à son propre puits, parce qu'il a tellement peur de sa puissance. Tellement peur, voilà. Et puissance, comme je le dis souvent, c'est accepter d'aller dans son puits pour retrouver son sens. Et donc, c'est accepter aussi, pour un passeur, de ne plus chercher à avoir une étiquette. Qu'est-ce que tu fais ? Mais je fais plein de choses. Et caractéristique, donc, d'un passeur, c'est un multipotentiel. C'est-à-dire que il a cette capacité, en fait, donc une grande curiosité. Il y a beaucoup de choses qui l'intéressent. Et quand il va aller dans un sujet, il va aller à fond dans ce sujet-là. Et là, sa problématique, et c'est souvent comme ça qu'on le caractérise, on dit, mais en fait, ça m'intéresse plus. Et hop, il passe à autre chose. Donc, un manque de constance, je vous explique pas. Alors que ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de constance. C'est juste qu'il y a un besoin, voilà, d'être nourri. Et pourquoi ? Parce que le multipotentiel, lui, sa capacité, c'est à faire des liens entre des choses qui n'ont pas forcément une corrélation forcément évidente. Et donc, c'est de voir ce qui ne se voit pas et de créer à partir de ça. Que ça soit pour des personnes, donc les passeurs dans les métiers, ce sont des super recruteurs, ce sont souvent des excellents professeurs, parce que, en fait, au-delà de ce qu'ils vont enseigner, ils seront bons parce qu'ils sont passionnés.
par les différents sujets, et généralement, ils ne se contenteront pas de répéter bêtement un truc. Si c'est un prof d'histoire, il viendra avec une cape et une épée pour faire le cours aux gamins. En tout cas, pour essayer de les transporter dans les époques, ou de, si c'est du français, voilà, de faire goûter la sonorité et la beauté de chaque lettre. Et puis, si c'est des chiffres, bah, de voir à quel point, voilà, la force d'un chiffre et d'une vibration va être exceptionnelle. Ils font ça en tout. Alors, prof, mais c'est aussi des chefs de projet. Voilà, pour mettre en lien des gens qui pourraient pas forcément bien travailler ensemble. Ils sont super doués pour voir tout ce qui va pas. Je vous ai dit perfectionniste. Vous, vous êtes tranquille, vous êtes en train de regarder un film au ciné. Bon, c'est pour vous faire plaisir, normalement. Ben non, hein. Vous, vous pouvez pas juste être dans la salle en train de regarder le film. Vous êtes dans la salle et vous sentez toute la salle. Vous sentez exactement la vibration de ce qui se passe derrière, l'autre qui est en train de manger son pop-corn, machin, hop, vous êtes tout à fait dans l'histoire et en même temps, on dit, purée, là, c'est quoi ce plan? Il y a 3 secondes, il avait la mèche comme ça, là, ils ont fait une coupure. Mais sinon, vous suivez l'histoire aussi, hein, du film. Et c'est ça, c'est de voir tous les points de dissonance. Mais c'est une force de pouvoir voir ça. Pas dans le sens critique, bien évidemment, et la critique est importante, surtout quand elle est constructive, mais juste pour voir, voilà, partout où il y a petite rupture, parce qu'ils sont super bons pour prévenir les risques. Et combien de fois on entend, hein, souvent, hein, je marque dans le livre, hein, les expressions favorites d'un passeur, où à chaque fois, il dit, non mais on va droit dans le mur, là. Enfin, je veux dire, ça sert à rien, mais ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Mais le but, c'est, bah, ok, on se contente pas de dire ça, ça va pas et de décrier, c'est oui, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ? Et un passeur, c'est un champion du. Alors, au début, il est beaucoup dans le oui-mais, mais après, ça va être un champion du oui-et. Comment ? C'est qu'on retrouve beaucoup en improvisation théâtrale, aussi au théâtre, où on apprend, voilà, comment je fais le lien et comment, et à partir de là, j'actais ce qui passe et je fais un pas après l'autre. Et là, il retrouve son rôle de papa, tout en veillant à ce que tout le monde, voilà, soit bien pris en compte. Et un passeur, il va toujours voir quand il est dans un groupe, etc., si tout le monde est bien là. Et il va faire en sorte que tout le monde puisse être participant, en fait, de ce qui est en train de se passer. Sans s'oublier, bien évidemment. Donc, caractéristique, hein, à ce super perfectionnisme, mais en même temps qui est aussi une force, parce que derrière ça, il y a la notion d'engagement. Il y a la notion de vraiment y aller, et évidemment, bah, un passeur, il va avoir des valeurs souvent altruistes. Hein, il est là pour faire avancer l'humanité, à son niveau, en toute humilité. Mais ça veut dire que si je fais avancer l'humanité et j'accepte de participer à ça, bah, je suis dedans. Je participe, moi aussi je suis humain. Donc j'ai le droit aussi de ne pas savoir, d'apprendre, d'être vulnérable et de ne pas toujours être au rendez-vous. Et c'est souvent ce qu'on aime aussi chez les passeurs, c'est qu'ils ont quoi là ? Patate. Ils portent en eux cette énergie, cette envie de vivre, cet enthousiasme. Mais parfois c'est éreintant et fatigant parce que, c'est facile hein, d'étendre une atmosphère, faire rire, etc. Mais parfois ils sont fatigués, ils ont besoin, et très souvent plus que les autres, de moments de solitude. Juste pas parler, juste être dans le silence, juste pouvoir se retrouver, se recentrer. Et c'est pas qu'ils aiment plus les autres, c'est juste qu'il y a ce besoin fondamental d'aller pouvoir se ressourcer dans leur propre cœur, en fait, j'allais dire, finalement. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir aussi, parfois aussi, un petit peu ce côté sauvage, qui est souvent bien compris, heureusement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, dans ce côté spécificité, il y a ce côté multipotentiel, donc cette curiosité qui va permettre de faire des liens et entre pleines parties. Et aujourd'hui, c'est juste magnifique puisqu'on a un travail commun dans cette unicité, c'est-à-dire qu'on est en train de rassembler toutes les disciplines. Aujourd'hui, la science ne s'oppose plus à l'invisible. C'est merveilleux d'avoir des personnes de disciplines et de traditions différentes, parce qu'on se rend compte, évidemment, et ça, un passeur, c'est inné pour lui. Mais tout est la même chose. C'est juste qu'à un moment, on a pris une vérité, hop, on a mis une loupe dessus, et ça s'est figé, il y a une cristallisation. Donc là, on rentre dans un dogme. Mais la plupart du temps, on parle exactement de la même chose. Et quelles que soient les disciplines, on peut y rentrer pour aller dans le détail du détail, et hop, il y a quelque chose qui s'ouvre, et c'est là qu'on arrive au tout. Mais on peut aussi avoir cette vue d'ensemble, et c'est la caractéristique du passeur, c'est-à-dire que lui, il a une facilité incroyable à être en position méta. Il voit de façon globale ce qui se joue, donc un regard systémique, qui est assez intéressant, mais en même temps, c'est sa difficulté. C'est-à-dire que même intérieurement, il va avoir cette capacité à méditer, à s'extraire,
Mais en même temps, en étant tout le temps dans cette position de témoin, ça crée quand même une dualité. Parce que si je suis témoin, je me mets dans la position de témoin et que j'observe le petit moi, enfin la personnalité de surface, je crée bien une dualité, vous êtes d'accord ? Il y a l'observé et l'observateur. L'observateur qui observe. Donc on est toujours dans la dualité. Et la difficulté d'un passeur, eh bien, ça va être notamment son corps vital et surtout le corps émotionnel. C'est-à-dire que, et c'est un de ces points, c'est un hypersensible. Hypersensible au sens plutôt de ce qu'on peut retrouver aussi en termes de HPE, plus que HPI. C'est-à-dire qu'ils ont une telle faculté à ressentir les choses que, bien évidemment, depuis tout petit, ils sont bien obligés de mettre de la distance, parce qu'autrement, c'est trop dur. Parce qu'ils captent tout. Un passeur, hein, c'est une antenne parabolique. Donc tout ce qui se passe, toutes les informations, enfin vous imaginez la surcharge. Dans le travail, ça serait impossible. Donc évidemment, il faut se mettre, il faut se mettre en recul. Et puis avec expérience aussi, on apprend à se protéger, c'est-à-dire à mettre un champ énergétique, etc. Et puis après, on apprend à ce qu'on n'a plus besoin d'un champ énergétique, parce qu'on a besoin de se protéger de rien, mais on a besoin d'un champ énergétique de protection tant qu'on est encore dans la peur de se laisser envahir, etc., etc. Parce que je capte trop d'infos, etc. Donc, bon, il y a des étapes. Mais difficulté, c'est ça. C'est je ressens tellement les choses émotionnellement que la plupart, souvent dans l'enfance, vont se couper de leurs émotions. Donc, je sens rien, tout va bien. Sauf que c'est embêtant. Parce que comment je sens la vie et je me sens vivant si je suis coupée de mes émotions ? Donc, oui, mais c'est vrai que l'ego a tout à fait raison. Hein, dans la survie, il vaut mieux se couper, comme ça je n'ai pas de souffrance. Mais du coup, je me coupe aussi de toute la joie, de tout le plaisir. Et c'est une grosse difficulté des passeurs. Le paix de plaisir, mon Dieu. Se faire plaisir. Et caractéristique au niveau des polarités, un passeur, il a cette faculté, hein, je vous parlais tout à l'heure, papa, maman, le féminin, le masculin. Pour lui, c'est assez facile de faire cette danse entre les deux, hein, de naviguer entre ces deux polarités. Par contre, l'autre polarité adulte-enfant, c'est un petit peu plus complexe. Souvent, dans leur histoire, ils deviennent adultes très très tôt. Et ils vont prendre plein de responsabilités, on va compter sur eux, etc. Donc, ils n'ont pas trop le temps de faire la phase enfance, je fais ce que je veux, quand je veux. Tout de suite, il y a des responsabilités et ce n'est pas facile. De porter l'émotion des autres, que ce soit un parent, etc., quelqu'un qui est dépressif, etc. Très tôt, hein, ça devient vite des psys, des thérapeutes, des coachs, même pour les copains et tout ça. Alors, je vous donne juste une petite anecdote, mais il y a 2-3 ans, j'ai fait une conférence à Grenoble, donc là où moi j'ai grandi, et j'ai eu la surprise de voir des personnes qui étaient au collège et au lycée qui sont venues à cette conférence. Donc, bon, déjà, ça m'a fait un choc, ça m'a fait bizarre. Et ils m'ont regardé comme ça, ils me disent « Non, mais Sandek, t'as pas changé ?» Alors, je suis « Ah bon ?» Il me dit « Ben ouais, déjà, au lycée, là, il me dit « Tu te rappelles, tu m'as dit que ça serait bien que je fasse prof et tout ça ?»« Ben, je suis prof, mais j'adore !» Alors, je suis « Ah bon ?» Et en fait, voilà, c'est inné. Et instinctivement, voilà, j'ai travaillé en entreprise dans plein de domaines différents, dans la formation, dans l'audit financier, etc. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment fait ces métiers pour de vrai, hein. Mais par contre, j'ai toujours eu le bureau où on venait pour essayer de comprendre ce qui se passe, les enjeux, que ce soit personnel, professionnel, et toujours d'être en orientation. Et j'ai eu d'ailleurs des petits soucis avec ça, hein, que ce soit en école de commerce, en école d'ingénieur, où j'ai eu plein d'ingénieurs, maths sup, maths spé, machin. Donc, trouver les mots justes, hein, capacité d'un passeur à trouver la bonne terminologie et les bons mots en fonction de l'environnement où il se trouve. Hein, je vous ai dit, c'est un caméléon. Pour des gens qui sont hyper scientifiques, super formatés, passer par la physique quantique, je vous assure que quand vous arrivez à faire méditer tout un amphi, alors qu'ils sont là en disant « Non mais l'autre, elle est tarée, quoi !» Et puis qu'ils essayent, plein de techniques, que ce soit par les phosphènes, etc., et qu'ils constatent par eux-mêmes, parce qu'il y a une expérimentation, que ça fonctionne, c'est juste bonheur. Tout au long et au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai jamais vraiment exercé le métier pour lequel, entre guillemets, j'étais employée. L'objectif, toujours faire ce lien, et parce qu'il y avait toutes ces émotions, et c'est comment j'apaise, comment faire en sorte qu'on élimine ce conflit. Et ça, c'est gros problème du passeur. Il a tellement peur qu'il y ait du conflit, qu'il s'oublie, hein, et toujours dans le « moi, c'est pas grave ». Non, mais c'est pas grave. Mais c'est bon. Mais si, c'est grave. Donc d'apprendre à accepter de reconnecter ses émotions,
apprendre à accepter sa vulnérabilité et de dire oui, moi aussi j'ai des besoins, il n'y a pas que les autres qui ont des besoins. Et quels besoins ? Et donc toute la difficulté, c'est ça. Et je pense que vous y avez été confrontés. C'est quand on nous demande, mais de quoi tu as envie ? Ben, je ne sais pas. Ben, toi, dis-moi de quoi j'ai envie. Non, toi, qu'est-ce qui te tient à cœur ? Ben, je ne sais pas, parce que c'est ça, la marque de fabrique, toujours tellement tournée vers les autres, que se poser la question pour soi, ça n'a pas de sens. Donc là, on a dépassé hein, tous les stades de « mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les autres soient heureux, c'est que je rende service, etc. » Là, on est dans le sauveur encore. Mais toi, je sais pas, t'as pas des idées, tu me fais un catalogue, je coche. Je sais pas. Et entendez le mot « je sais pas ». Et tout l'enjeu va être de retourner dans « c'est pas savoir, c'est je sais ». C'est apostrophe EST. C'est. Et donc, difficulté du passeur, revenir ici et maintenant, et ici dans cette incarnation, comment tu déploies les choses ? Comment toi aussi tu déploies ta puissance et tes ailes ? Comment tu acceptes véritablement de faire ça ? Et juste en étant toi, pas étant le serviteur d'eux, etc. etc. Véritable enjeu, et en même temps, ben mince alors, si j'ai autant de capacités, ça veut bien dire que je dois bien avoir la possibilité de m'écouter moi-même, à un moment donné. Et c'est tellement simple que pour un passeur, c'est pas possible. Ça peut pas être aussi simple. Ça peut pas être aussi bête. Parce que pour le mental, lui, si c'est compliqué, on a bien souffert. Oh, ça y est, je prends conscience que ça, c'est parce que j'ai souffert ça. Alors, en fait, des fois, c'est tellement bête. C'est simple. C'est juste, je reviens là et, ouais, ça me plaît. Hop, quand je me confronte à cette idée, ouais, ça, dans ce champ d'ouverture, ouais, ça me plaît. Et c'est juste d'accepter, même si vous savez pas, de faire pas à pas et de faire confiance. Et tout l'objectif, parce que comment se définit un passeur ? Lui, sa devise, c'est « je doute, donc je suis ». Si, si, et si, et si, et si. Donc cette « si » qui coupe hein, en deux. Et c'est juste de revenir, parce que c'est une de ses capacités, hein, je vous le disais, hein, y a, au niveau physique, hein, c'est premier chakra. Et c'est aussi le chakra coronal, celui de la vision, mais chakra coronal, puisqu'il capte en permanence des informations. Et tout son travail, ça va être de bien apprendre à capter au niveau au moins du haut mental. Donc d'apprendre à se connaître, de connaître ses corps, comment ils fonctionnent, de savoir dans quel plan ils se trouvent, et donc d'expérimenter, donc d'avoir une vraie connaissance, d'avoir des bonnes bases. Et problématique, voilà, au niveau du coronal, et le lien avec les HPE, c'est que très souvent, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'ils préfèrent couper. Donc certains vont être complètement dans le déni et ils vont se perdre dans des activités pas possibles à l'extérieur pour pas s'occuper de soi. Ou d'autres, au contraire, vont être extrêmement tout le temps connectés, mais ils sont jamais là. « Excuse-moi, je capte un truc, là. »« Non, attends, vas-y, non, dis rien. » Voilà. Et donc tout ce qui peut amener aussi dans l'ego spirituel. Hein, vous en connaissez tous, et nous tous, hein, on passe par là. Hein, c'est-à-dire entre, alors pour ma part, hein, j'anime pas mal de stages et je vois aussi dans les différences, on travaille beaucoup sur le verbe, on travaille en langue des oiseaux pour avoir cette écoute différente et apprendre à avoir cette écoute intérieure. Et quand on commence à rentrer là-dedans, eh bien on fait assez attention voilà, aux mots qu'on prononce pour entendre aussi différemment. Mais en même temps, si à chaque fois que je dis un truc, je fais « mon Dieu, il fallait pas que je dise ça ». J'efface ce que j'ai dit, j'ai pas eu une parole bienveillante. Et puis pareil, j'ai dit que je faisais ma routine. Aujourd'hui, j'ai pas médité, c'est pas bien. Et voilà, comment on recommence en fait à se flageller ? C'est juste de revenir, tiens, là en méditation, je suis pas obligée de faire une méditation les yeux fermés. Hein, je peux faire une méditation dynamique. Je peux être dans la créativité en faisant de la peinture, du crochet, enfin tout ce que vous voulez, du vélo. C'est une méditation à partir du moment où je suis là. Complètement conscient, ça m'ouvre le corps, c'est ok. Mais c'est de sortir aussi, voilà, de tout vouloir faire bien comme il faut, même au niveau spirituel, ou de bien faire ses japas, répéter ses mantras, voilà, avoir fait son yoga. Non, aujourd'hui j'ai pas envie. Oh mon Dieu, j'ai pas mangé cru, j'ai pas fait ceci. Oui, mais vous avez le droit. Et si même vous deviez manger un McDo, est-ce que c'est grave ? Personne va mourir. Donc c'est voilà juste de cette image-là voilà de qu'est-ce que c'est que quelqu'un spirituel, c'est juste de se lâcher la grappe aussi avec tout ça, c'est juste accepter d'être ce que vous êtes là dans l'instant.
Donc difficulté, hein, lâcher ce perfectionnisme, bien évidemment, mais aussi au niveau des émotions, et je vous le disais, cette capacité à être dans la position méta, eh ben, ça va être d'accepter de refaire le pas et de re-rentrer en fait dans les émotions et accepter de sentir. Sentir profondément, sentir, goûter, toucher et revenir au sens, revenir dans la simplicité en fait de nos sens physiques. Et donc pour un passeur, ce qui est magique, bah, c'est de faire un travail évidemment de revenir dans le corps. Avec amour, avec bienveillance, alors que ce soit par n'importe quelle pratique, physique, hein, c'est pas obligé d'aller faire de la boxe ou des choses comme ça. Souvent, c'est un passeur, il aime plutôt des activités où il peut être intériorisé, mais qui est quand même du collectif. Donc, ça peut être plus des arts martiaux, du tai chi, du qigong, enfin, ce genre de choses-là. Bien sûr, le yoga en tant que tel. Et après, en fonction de sa façon de vibrer, c'est comment je l'intègre véritablement et comment je mets cette détente, voilà, jusque dans mon corps pour être complètement présent et accueillir ce qui est là. Donc, oui, caractéristique. Peur de ses émotions, et donc il va falloir qu'il fasse un vrai travail par rapport à ça. Caractéristique aussi qu'on va retrouver chez un passeur, c'est ce côté aussi, j'allais dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce côté très très curieux, et en même temps, cette peur, j'allais dire, cette peur infinie de ne pas être à la hauteur, je vous en parlais tout à l'heure. Donc peur de se découvrir, de montrer qui il est, parce que comme il a l'habitude de faire le caméléon et d'être hyper adaptable, quand là c'est figé et arrêt sur image sur lui, il y a tout se fige. Et donc, mais je ne sais rien dire, je ne sais pas faire, mon Dieu. Et c'est juste voilà, d'accepter, je vous le disais, la clé de ne pas savoir. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, bah, d'accepter de sortir, j'allais dire, des modes de dire, voilà, dans tous les courants, voilà, je vais être coach, je veux soigner. Alors, peu importe hein, la technique, parce que toutes les techniques sont justes, quoi qu'il se passe. Mais c'est juste de vraiment vous poser la question intérieurement de, ok, je le fais parce que ça fait du bien à l'ensemble, mais est-ce que je suis nourrie au passage ? Parce que plus vous allez pouvoir sentir, vous, votre passion intérieurement, comment ça vibre, plus, évidemment, vous allez pouvoir la communiquer aux autres. Et ce n'est pas d'essayer de faire ce que les autres attendent de vous, et ça, c'est difficile. Hein. Mais c'est juste vous, et ben, dans l'instant, et je vous parlais tout à l'heure des polarités, c'est ça, cette difficulté de retourner dans l'enfant. Quand on est petit et qu'on a endossé des responsabilités, et ben, on n'a pas eu le temps d'être enfant. Et l'enfant, ben, sa caractéristique, c'est d'être dans le moment présent. Donc, c'est revenir à votre capacité d'émerveillement et revenir dans le plaisir. Souvent, au niveau physique, hein, ça, je le vois en ostéofluidique, hein, voilà, quand on travaille sur les corps, c'est souvent les glandes en bas, glandes de Bartholin hein, ou glandes de Cooper, tout ce qui va être lié au plaisir, mais de vraiment se faire plaisir. Alors, je ne parle pas du plaisir hein, au sens des péchés capitaux et de l'envie dans ce sens-là, mais véritablement vibrer cette envie et vibrer cette joie. Et donc, de retourner dans cette capacité toute simple d'émerveillement, hein, c'est-à-dire juste voilà d'être posé là dans l'instant, juste de savourer. Vous êtes avec des amis, il y a des rires, hein, juste de rentrer dans ce petit clapotis de rire, hein, juste de dire waouh, on est bien là, juste d'ancrer voilà tous ces moments-là et de revenir, de faire tout ce que vous faites comme la première fois. Et donc de vous couper du passé et d'arrêter d'être dans la réaction et donc de plus tomber hein, dans tout ce côté émotionnel. Mais juste revenir à, j'arrête de m'en référer, et donc, grosse blessure du passeur, de se comparer. Parce qu'il y aura toujours des gens mieux que vous, et plein d'experts, et ça c'est la marque de fabrique, comme je vous le disais. Les passeurs, leur difficulté, c'est qu'ils se comparent tout le temps, et qu'ils sont experts de rien du tout. Et ouais, leur marque de fabrique, c'est que c'est des généralistes. Et on en a besoin, des généralistes. Parce que justement, par leur champ de connaissances, ils sont capables de faire des liens avec plein d'autres choses. Et quand vous êtes malade, vous allez voir un généraliste qui va vous aiguiller vers un expert, un spécialiste. Donc on en a besoin des généralistes, parce que c'est grâce à eux qu'ils vont permettre voilà, de tisser tous ces différents liens. Donc c'est ça qui est magique. Est-ce que c'est clair pour vous ? Juste, je voulais faire aussi un petit mot par rapport au travers qu'il peut y avoir et au niveau aussi de l'ego un petit peu plus spirituel. On entend beaucoup aussi de personnes qui font, et c'est super, hein, beaucoup de développement personnel, donc de travailler sur moi, de travailler sur ses blessures. C'est important d'accompagner ça aussi d'un développement spirituel,
parallèlement. C'est pas l'un n'empêche pas l'autre, mais pas non plus de faire que du développement spirituel. Donc bien sûr de développer sa foi et sa reliance en la source, de pas oublier petit moi non plus, parce que des fois le travers ça peut être je suis tout le temps en train de méditer, je peux aller faire des retraites, aller dans des ashrams, aller méditer dans la forêt, tout ce que vous voulez. Il y a la vraie vie aussi. Et la beauté de la vie, elle est aussi dans les gens ordinaires, de tous les gens qu'on côtoie tous les jours. Donc c'est juste faire attention de ne pas être dans une fuite, dans ce désir d'absolu, hein, et de se perdre là-dedans et se rappeler que c'est la vie qui est sacrée. Donc chaque être que vous croisez, c'est toujours la bonne personne. Et la vie, elle nous fait sans cesse des cadeaux, sauf qu'on est là, ça me plaît pas ça. Ouais, bon, tu parles d'un truc. Et toi, ta technique, c'est quoi ? Ah, non, ok. Je verrai bien. Et donc, toute cette difficulté hein, de ne pas être dans l'attente. Juste, ok, je vois ce qui se passe, j'accueille, et après, je peux discerner, effectivement, si c'est juste ou bon pour moi ou pas, hein, dans ce qui se passe. Donc, faire attention à ça, ou aussi quand on est très, très avide de connaissances, ou on en perd le contact avec pourquoi on cherche tout ça et c'est quoi cette vérité qu'on cherche. À force de vouloir être en contact avec plein d'autres d'êtres, etc., pas oublier qu'il y a des êtres juste à côté de nous, en fait, hein, aussi, et que c'est bien d'investir sa propre vie et de vivre avec eux pendant qu'on a ce temps sacré hein, qui nous est accordé, parce que c'est une grâce. Et c'est juste d'arriver à se rappeler que cette grâce est extrêmement importante. Et de se rappeler justement qu'est-ce qui risque de se passer ? Qu'est-ce qui peut être grave ? Qu'on meurt ? C'est pas un scoop. Donc autant en profiter pendant qu'on est là. Juste d'être là et de faire ce qu'il y a à faire. J'ai trop parlé, du coup, je suis désolée. Oui. Je suis partie au fil comme ça, pour partager avec vous ce qui se passait dans l'instant. Sans doute que ce que je vous ai partagé n'était pas forcément très structuré. J'ai en tout cas essayé, dans le livre, c'est pas pour vous vendre mon livre, peu importe, mais j'ai essayé vraiment de donner toutes les caractéristiques avec beaucoup de voix pour que vous puissiez travailler vraiment en toute autonomie, de vous à vous, que vous puissiez partager. Donc c'est aussi, de par mon parcours où j'ai travaillé selon plein de traditions initiatiques différentes parce que j'ai ce côté de chercheur de vérité. Qui est très présent, pour que vous puissiez par vous-même, là, dans l'instant, qu'est-ce qui vous appelle le plus et comment vous pouvez faire en toute autonomie. Et c'est, je crois, l'engagement qu'on a tous ensemble qui est très, très important, c'est comment je permets à l'autre de prendre ses responsabilités et de lui permettre d'être autonome. Et comment, moi, je prends ma responsabilité parmi tous les enjeux qui arrivent. Et c'est ça, les enjeux. Et c'est d'accepter d'être votre propre ange. Et donc, de devenir un archange, c'est-à-dire en bon passeur, de pouvoir viser et de dire, tiens là, waouh, je mets un petit champ d'énergie et d'étincelle et de laisser faire, juste de laisser faire, d'accepter de laisser faire. Donc, quand je vous parle de ça, et je vous disais, pour un passeur, dans les valeurs, ce qui est très important, c'est la collaboration, c'est la coopération. C'est important aussi d'être intègre et d'être valeur d'exemple. Et donc là, dans tout ce que vous partagez aujourd'hui, il y a plein de conférences super intéressantes avec des experts. Mais là, dans la collaboration, c'est de se faire vivre ensemble aussi quelque chose. Donc j'avais juste envie de vous partager encore une petite méditation pour qu'on termine tous ensemble et que vous puissiez vivre ensemble aussi ce que c'est que la collaboration et de vous laisser encenser par les sons et les sens. Donc je vous invite juste là à nouveau peut-être décroiser les jambes, juste à vous décontracter. Et je voudrais vous amener dans un petit endroit. Et j'avais envie de vous partager une des méditations du livre qu'on m'a transmis comme ça. Donc je vous invite juste à nouveau à vous connectez à votre respiration. Et juste à prendre conscience de votre colonne vertébrale. Juste, bien sentir d'en bas jusqu'en haut votre colonne vertébrale et de voir que ça vibre, que c'est comme un I. Le I, cette magnifique voyelle qui représente le divin.
C'est le I, évidemment, d'incarnation, mais aussi d'intuition, d'inspiration, d'intégrité, d'intelligence, l'intelligence du cœur. Voilà, cette merveilleuse colonne vertébrale. Voilà, et de rentrer maintenant en connexion avec votre respiration, laissez-la vous envelopper. Pour ne faire qu'un, ne faire qu'une avec elle, sans rien forcer. Voilà, maintenant de poser votre attention au niveau de votre cœur, au niveau du chakra du cœur. Voilà, juste respirer quelques secondes, quelques minutes à travers votre cœur, de respirer à partir de ce centre-là, d'ouvrir. Voilà, plus vous respirez, plus votre cœur vibre, rayonne. Et je vous invite maintenant à visualiser autour de vous à nouveau des cercles concentriques de couleur blanc doré et rose nacré. Des couleurs amenant des vibrations particulières également. Voilà, intensifiez votre centrage. Juste et laissez-vous respirer le parfum que dégage votre cœur. Imaginez des effluves subtiles de rose et de jasmin. Voilà, et concentrez à présent votre attention dans votre bassin. Et je vous invite à visualiser maintenant une magnifique sphère. Une sphère de couleur blanche qui pulse d'un or blanc, cet or alchimique. Un or blanc puissant, juste là au niveau de votre bassin, dans son centre. Voilà, au gré de votre respiration, cette sphère grandit. Et elle vient illuminer votre colonne vertébrale de bas en haut. Cette lumière alimente une grande douceur dans tous vos centres d'énergie, chakra après chakra, jusque tout en haut, jusqu'au 9e chakra, et bien plus encore. Et là, devant vous, sur votre écran intérieur, peu à peu, se dessine une magnifique et grande lettre, la lettre V. Un beau V majuscule en or. Cette lettre vibre devant vous comme un vase, comme un réceptacle, comme un vaisseau. Un oiseau aux ailes immenses. Je vous invite simplement maintenant à vous placer à l'intérieur de ce V. Simplement. Et d'entrer à présent plus profondément dans votre respiration. Vous entrez plus profondément encore dans votre conscience élargie. Au contact de ce V, vous vous sentez à présent plus léger. Vous commencez à sentir que vous décollez du sol avec une légèreté indescriptible, dans un courant ascendant. Vous êtes transporté dans un ciel infini d'étoiles qui scintillent comme des diamants. Vous naviguez avec concentration dans la carte universelle de la conscience stellaire, tout en étant profondément ancré dans la matrice de votre corps physique. Vous apercevez à présent des coordonnées spécifiques qui semblent vous appeler. Voilà, votre attention se fixe sur ces points lumineux,
Et comme sortant d'un tissu cellulaire de la matrice, vous arrivez à travers une porte stellaire, dans un endroit assez surprenant, où les formes se dessinent en fonction de ce que votre regard embrasse. Voilà, à présent, vous pénétrez dans une pyramide de cristal adamantine. L'intérieur paraît sobre, minimaliste, sauf quelques sièges végétaux qui sont disposés çà et là. Il y a un arbre magnifique qui semble prendre racine au sein même d'un bassin qui est juste là à côté de vous, d'une petite cascade d'eau d'un bleu indigo. Les fleurs de cet arbre semblent vivantes et quelques gouttes d'eau claire scintillent, laissant irradier un spectre lumineux qui resplendit sur toutes les parois de la pyramide. L'atmosphère est douce et pénétrante à la fois, comme un nectar qui vient caresser vos cellules. Vous vous installez à présent dans un des fauteuils et vous vous laissez bercer par les ondes cristallines de la cascade. Voilà, et juste posé là, vous ressentez à présent la présence subtile d'un être lumineux qui irradie dans toute votre conscience. Vous pouvez à présent sentir comme si des mains venaient se poser de part et d'autre de votre visage. L'être semble poser un front contre le vôtre, son front, dans un immense sourire de bienveillance. Et ce contact vous plonge au cœur du cœur de la vie, comme une étreinte d'amour, d'une indicible félicité, un baiser de l'univers qui vous harmonie sur des fréquences d'amour d'une pure compassion. Voilà, juste vous accueillez. Vous pouvez sentir en vous cette énergie se déposer dans votre cœur alchimique, lui donnant un nouvel éclat. Votre cœur devient l'écrin, le réceptacle de cet amour infini. Voilà, que cette énergie du cœur anime votre regard sur le monde. Que votre verbe s'aligne à la bonté et à l'intégrité de votre être. Que vos oreilles entendent avec la grâce d'une écoute véritable. Que votre cœur guide chacun de vos pas. Voilà, laissez cet état d'être danser avec votre respiration. Voilà, juste respirez, écoutez. Juste restez encore quelques secondes dans cet état. Juste de terminer par un des merveilleux mantras de Kundalini Yoga qui dit simplement You and me, me and you, God and me and God are one. Voilà, merci. Merci.